Regardez le pain, comment il s'appelle. Eh, le pain, c'est un bâtard. Regardez, il s'appelle bâtard. Un mélange de farine, ils appellent ça un bâtard. Ça veut dire la farine, c'est une caisse, c'est ça? Est-ce que vous voulez savoir pourquoi l'équipe de France a perdu? Personne qui a fait ça ne voulait pas qu'on gagne. J'ai une dernière chose à demander. Les personnes qui ont acheté le maillot de l'équipe de France. Le remboursement, c'est comment? Oh. Vas-y, comme ça, comme ça. Fais attention, je sais que c'est ta première fois, fais doucement. Oh. Vas-y. Non, s'il te plaît, viens, on arrête, s'il te plaît, ça me dégoûte. Il est trop gros. Dis pas n'importe quoi, s'il te plaît, applique-toi. Voilà. Vas-y, comme ça, ouais. Et il est pas trop gros, on t'a dit ça, là, mais c'est juste, t'es un peu près, donc le diamètre est plus imposant. Et fais attention, sinon je pourrais plus marcher, là. Oh. Attends, j'ai entendu un bruit. Y a pas de bruit, le seul bruit, c'est le bruit de mon âme. Oh. Non, non, je suis sérieux, ce ballon. Quoi? Jessie, allume la lumière! Oh! Je ne vous veux aucun mal! Continuez vos conneries là, vos cochonneries là, je sais pas ce que vous êtes en train de faire là, c'est... Non mais n'importe quoi, je suis en train de lui couper les ongles, on est pas en train de faire des cochonneries. Et puis de toute façon, t'as pas justifié, on s'en fout mais... Non les deux petits dégueux, calmez-vous, c'est venu de capturer Draconos, que ça vous plaise ou non! Putain, il est où ce Draconos? Ah, il est là! Non Balou, tu peux pas laisser faire ça, je le veux... l'application elle s'ouvre pas! Ça fait 3 semaines que je dors plus, putain. Ma femme a quitté à cause de ce putain de jeu. Et vous croyez que vous avez empêché? Je veux Draconos maintenant! On comprend. Écoute, pose ton gun. Gentil, pose ta Pokéball. On peut s'entendre. Surtout, ne fais pas ça. C'est trop tard. Pokéball! Go! J'appelle l'assurance bébé, pas de panique, ça sonne. Draconos. Allô? Oui. Il vient de se passer quelque chose d'atroce. On vient de se faire prendre un Draconos niveau 2, sous-maintenez. Comment ça vous couvrez pas ce genre de dégâts? Allez vous faire foutre! Pays de merde! Calme-toi. Calme-toi, Laura. Ah ouais, tu crois quoi? Bien sûr qu'il la baisse, mon gars. Non mais franchement, tu penses que le train il a marché? Le stick va te courir après comme un lapin. On va manger? Ok, on va manger. Attends, attends, attends. Tant qu'il y a ça et moi je suis gay. Ça va se passer comme ça. Je vais attaquer ça tout de suite. Ah, ah. Putain! On peut replacer? Eh, viens voir! Ah, viens voir, viens voir, viens voir, viens voir, viens voir, s'il te plaît. Eh, mais tu veux quoi? Je veux juste parler avec toi, juste faire connaissance avec toi, c'est mais tout. Déjà, tu me touches pas, et des deux, j'ai un mec. Mais attends, mais t'as un mec, mais moi, je m'en fous que t'as un mec. Ça se voit que t'es amoureuse, tu m'aimes, ça se voit dans tes yeux, t'es folle de moi, fais-moi un câlin.
tu m'as baffé. Ouais, je t'ai baffé. Si tu continues, c'est mon poing dans ta gueule. Ton poing dans ma gueule. Ouais, t'as très bien compris. Mais c'est bon ça, putain. Mais t'es vraiment malade. Mais j'adore les femmes violentes. Viens là. Je suis un beau gosse. Je suis un beau gosse. Je suis un beau gosse. Alors, heureux de partir en vacances avec moi? Tu m'étonnes. Et j'espère qu'on va bien s'éclater, j'ai hâte d'y arriver moi. Ma petite flamme de désir, ça va être acrobatique. Ah flûte, arrête-toi, j'ai fait tomber ma boucle d'oreille. Je sais pas, apparemment t'es parti aller voir ma meuf pour essayer de la gérer, c'est quoi ce délire là? Wesh gros, à la base gros, je suis posé tranquille, t'es là, tu viens, tu te poses tranquille, tu es là, tu vois. Bah c'est normal, on me dit t'essaies de gérer ma meuf. Mais gros, t'es un ouf, je la connais même pas ta meuf, de quoi tu viens me parler? Eh ben, le mec il m'a dit ça, c'est un mec. Eh hey, Jackie, y'a embrouille là, hein, faut qu'il aille. Hein. C'est bon Michel, laisse-les entre eux, ça nous regarde pas ça. Eh, tu plaisantes, j'espère, là. Moi, ouais, tu vas tout de suite, maintenant, allez. Oh là là là. Allez, comme ça, on passe en bonnes vacances. Oh, écoute, boy. Y'a pas d'écoute, moi, j'ai confiance. Je veux rien, ça. Arrêtez ça. Vous n'avez pas à vous chamailler jusqu'à vous taper dessus, quand même. C'est pas parce que t'es noir ou arabe qu'il faut se battre. Faut essayer d'apprendre à vivre ensemble, c'est tout. D'après ce que j'ai compris, vous vous battez pour une fille. Mais les filles, c'est des problèmes. Vous allez en avoir toute votre vie, des problèmes avec des filles, c'est casse-pieds, ça te prend la tête tout le temps. Allez au restaurant, discutez, vous allez voir, ça se passe beaucoup mieux. Ça sert à rien de vous chamailler. Et vous êtes qu'au début. Hein. Moi j'ai 50 ans, et je vais vous dire, les femmes, c'est comme le mauvais temps, ça devrait pas exister. Ouais, c'est vrai, vous avez raison, monsieur. Désolé, frère. Non, tranquillement, vous êtes. Ouais, y'a rien. Vous voulez manger avec nous, monsieur vous... Non, merci, c'est gentil, les gars, je vous remercie, mais il y a ma femme qui m'attend. Merci beaucoup. Ouais, c'est mieux comme ça. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu vas voir, connard, si je suis prise de tête. Des vacances, tu vas te les faire tout seul. Allez, bonne femme, c'est casse-pied. Putain, il pleut là, ça me va dans tous les cheveux là. Il fonctionne ou quoi ce bail? Ça marche pas. Ça marche pas, fou. Attends, il y a une meuf qui arrive. Où est-ce que vous, mademoiselle? Vas-y, qu'est-ce qu'il fait, lui? Ouais, vas-y, donne-leur, s'il te plaît. Voilà, c'est comme ça. C'est comme ça qu'on parle de meuf. L'heure. Donne-leur. Tu dois être. Ah mais toi, t'es plutôt mignon toi, hein. J'aime les mecs de tête, c'est Kaïd là. Mm-hmm. Un vrai négro. T'es plutôt à mon goût. J'ai des gens ou quoi? Mais reviens, non mais reviens, viens. Eh, excuse-moi. Ouais. Tu peux prêter ton téléphone, c'est vraiment urgent. Ah mais fais vite hein. Oui, oui, t'inquiète pas. Merci. Tu peux faire le visite à Blair? J'ai eu ton numéro. J'ai eu ton numéro. Bonjour à tous. Alors aujourd'hui pour ce premier tutoriel, nous allons voir comment débloquer un iPhone volé. C'est parti! Étape 1, voler un iPhone. Attendez les alentours de 21h, placez-vous dans une petite ruelle sombre et attendez votre proie. Vas-y, vite, vite, vite. Hé, toi, passe-moi ton téléphone. Passe-moi ton téléphone. Passe-moi ton téléphone. Mais vas-y, passe-moi le tien. Non. Passe-moi le tien. Non. Passe-moi, je te dis. Non, passe-le. Passe-le. Putain. Bon, merci d'avoir suivi ce tutoriel. Mes chers camarades, bonsoir. C'est avec regret, c'est avec une peine, c'est avec une frustration, c'est avec mécontentement que je vous annonce que l'équipe de France a perdu. Non, vraiment, je suis désolé. Mes incantations, bon, ça n'a pas marché. Ouais, moi, vraiment, je suis désolé pour le dérangement. Pardon. Mais par contre, il y a un problème. Les personnes qui suivent l'équipe de France que depuis les demi-finales, il y a quoi? Les personnes qui ont chanté la Marseillaise, mais qui n'ont pas les papiers. Les personnes qui critiquent l'équipe de France alors qu'ils ne connaissent même pas le nom d'un seul joueur sur le terrain. Mais vous là, il y a quoi? Il y a quoi? Mais vous là, on vous a rien demandé. Moi, je comprends pas pourquoi l'équipe de France n'a pas gagné. Elle était favorite pour la finale. Ouais, ferme ta gueule. Il faut savoir reconnaître la défaite. On a perdu, on a perdu. Les gens qui ont acheté un maillot de foot 70 euros juste pour la finale. Le remboursement. Ça comment?